l'hiver. C'est vrai, ça me grossit le nez. Eh ben, j'ai fait broter l'intérieur avec de l'édredon. Elle me couvre d'édredon. Oh, je ne connais pas sous le ciel un homme plus heureux que moi. Avec ma première femme, c'était la biche. Oh, j'ai une chance de pendu. Qu'est-ce que tu fais? Je la saute, je vais lui adresser quelques mots. Approchez, mademoiselle, approchez. Monsieur! Je sais tout. Le sait tout. Continuez, mademoiselle, dans cette voie de sacrifice et d'abnégation que vous vous êtes tracée. Plaît-il? L'orphelin porte bonheur. Continuez, mademoiselle. Continuez. L'orphelin porte bonheur. Quel orphelin! Mais taisez-vous! Qu'est-ce qu'on vous garde? Eh bien, elle est forte, madame! Ah! J'avais eu l'idée machiavélique d'offrir à Marjolaine, toujours pour sa fête, ce coffret à tête de cerf. C'est là-dedans que nous cachons notre correspondance. Un billet? Un ancien qui serait resté? Écrit d'une main tremblante? Eh bien, c'est bien ça, et elle tremblait toujours. Un grand malheur nous menace. Le cocher du fiacre nous a reconnus. Il nous épine. Il porte le numéro 2114. Tâchez de le voir. J'ai le pressentiment que ce fiacre nous portera malheur. Oh, elle était bébête avec ses pressentiments.